Bonjour à tous et bonjour à toutes. Vous êtes sur le plateau de la télé de Lyon dans les 5 dernières minutes. Aujourd'hui, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir le président du département de Lyon, Patrick Gendreau. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous ? Très bien, je vous remercie. C'est nous qui vous remercions. Ça fait un petit moment qu'on souhaitait vous avoir ici sur le plateau de la télé de Lyon. Ça n'a pas pu se faire l'an dernier pour les raisons que nous connaissons tous. Nous étions à une semaine confinés déjà. On devait se voir le mercredi ou le jeudi de mars l'an dernier. Et bim, le dimanche soir, on était confinés. Oui. Je suis content de vous avoir aujourd'hui. Et justement, Monsieur le Président, pour tous ceux qui se posent des questions, de savoir... Qu'est-ce que le département, qu'est-ce qu'on y fait, qu'est-ce que vous avez à gérer sur le territoire, au niveau du département, qu'ils ne connaissent pas forcément bien. On connaît bien sa mairie, on connaît bien sa préfecture ou sa sous-préfecture, mais peut-être un peu moins le département. Est-ce que vous pouvez nous expliquer justement à quoi sert un département ? Alors le département, effectivement, sert à plusieurs choses. C'est une collectivité de proximité, hein, qui vient juste au-dessus des communes. Il faut savoir que le département de Lyon est divisé en cantons, donc il y a 21 cantons. Et dans chacun de ces cantons, il y a ce qu'on appelle un binôme, c'est-à-dire qu'il y a, et au nom de la parité, un conseiller et une conseillère départementale. Ce qui fait que notre assemblée, puisque nous siégeons en assemblée, est constituée de 42 élus départementaux. D'accord. Voilà, Nord, 21 est, cantons, sud-ouest. Voilà. Donc avec un maillage territorial très, très, très diffus et équilibré. Alors, les missions, elles sont les missions régaliennes, bien sûr. Il y a ce que je considère comme une très belle mission, d'ailleurs, hein, et qui est parfois un peu vulgarisée, stigmatisée, c'est toute cette partie sociale. Il faut savoir que nous gérons un budget de plus de 400 millions d'euros, 410 millions à peu près. Qui a été d'ailleurs voté il n'y a pas très longtemps. Qui a été voté il y a maintenant 4 jours, exactement. Oui, je vois que vous êtes bien informé. On essaye. Et en fait, 65% du budget de 410 millions donc, est consacré à ce qu'on appelle les solidarités départementales. Alors, ça veut dire quoi les solidarités ? Eh bien, il y a l'enfance, les personnes âgées, les personnes handicapées, et puis il y a effectivement, comme vous l'avez dit, le RSA, hein, qui est cette enveloppe qui, malheureusement, suite à la pandémie, eh bien, est en train de gonfler en volume, puisqu'elle est aujourd'hui à peu près à 62 millions d'euros. Vous voyez. Oui, donc c'est quand même énorme, avec une compensation de l'État qui, malheureusement, n'est pas à la hauteur de ce qu'on souhaiterait. Donc ça, c'est la partie sociale, si vous voulez. Autre compétence obligatoire des départements, c'est pas spécial à Lyon, c'est l'entretien des routes. Oui, important. On a 4850 km de routes départementales. Oui, donc c'est pas le plus petit département en plus. Hein. Qui sont sous notre responsabilité. On a vraiment un kilométrage important. On a également la construction et l'entretien des collèges. Les collèges, donc le niveau secondaire, c'est sous notre responsabilité. Les communes, elles sont responsables des écoles, le département, les collèges, et les lycées, eh bien, c'est la région qui chapeaute les lycées. J'imagine que pour tout cela, il faut évidemment une équipe et des services. Oui. Combien ça représente justement de personnel au sein du conseil départemental ? Alors le personnel, c'est à peu près 1800 personnes. Ah oui, d'accord. Voilà. C'est une belle armée. C'est sinon la plus grosse entreprise de Lyon, une des plus importantes en effectif. Quoi. 1200 déjà, personnes. On comprend déjà un petit peu mieux justement les attributions du département. Vous l'avez dit, depuis un an, on est évidemment sous ce virus, en zone Covid, si je puis dire, sur le plan national. J'imagine que ça n'a pas été facile pour vous organiser. Qu'est-ce que vous avez fait dans le département ? Est-ce que vous êtes parti à la chasse aux masques, en l'occurrence, puisque ça a été un grand débat au début de cette pandémie ? Comment ça s'est passé ? Quels ont été les problèmes rencontrés ? Et puis les réussites aussi, parce que je me souviens très très bien que c'était un peu la bagarre, trouver des masques, etc. Et puis pour vous suivre aussi sur ce qui se passait, vous êtes vous-même allé chercher les masques. Je sais aussi que le maire de Saint-Clément a donné un coup de main, parce qu'il l'avait dit à une interview pour la télé de Lyon. Justement, comment vous avez œuvré sur la partie masque déjà ? Alors effectivement, bon, c'est vrai que c'était une situation inédite, hein, je pense que personne ne s'y attendait. On a été très surpris, et en plus, alors c'est très anecdotique, ça, le premier confinement a lieu le 17 mars, le jour de la Saint-Patrick, vous voyez, c'est donc ça, je m'en rappelle parfaitement. Oui. Et c'est vrai que, bon, voilà, on ne refait pas l'histoire, il n'y avait pas de masque.
Voilà, il n'y avait pas de protection, il fallait qu'on se protège, mais on n'avait pas les masques. Donc ça a été la course et tous les élus se sont mobilisés naturellement. Et effectivement, j'ai pu, grâce à un collègue qui travaillait en Seine-et-Marne, Gilles Pirman d'ailleurs, qui est un collègue du département. Et donc nous avons réussi à trouver une filière, si je puis dire, qui nous a permis de faire livrer quelques milliers de masques, hein, dans un premier temps. Donc là, il y avait une vraie solidarité entre toutes les communes et le département. Absolument, absolument. On a vraiment fait de gros efforts, on a réussi. Et alors que c'était la course, hein, vous vous souvenez, hein, c'était vraiment très compliqué. Il y avait des captures de masques, de livraison, de cargaison sur les aéroports dans le monde d'ailleurs. Oui, et grâce à cette solidarité et à l'énergie que l'équipe département a mobilisée, hein, voilà, c'est un travail en équipe, on a réussi à avoir les premiers masques de façon importante. Alors justement, on y est encore malheureusement dans cette période. Aujourd'hui, se met en place un peu partout dans le département des lieux de vaccination. Vous avez été certainement en inaugurer quelques-uns. Où en est, si vous avez peut-être une idée de réponse, un élément de réponse, où en est justement l'arrivée des vaccins dans l'Yonne, par exemple? Alors l'arrivée des vaccins, ça c'est malheureusement, je n'ai pas. Est-ce que c'est le même problème que les masques, Monsieur le Président? Mais disons qu'on est en manque de vaccins. Ça c'est, je pense que c'est malheureusement, hein, le constat que nous faisons. Hein. Je tiens malgré tout à souligner l'implication de tous les élus. Et là je ne parle pas des élus départementaux, hein, qui sont naturellement impliqués, mais des élus aussi municipaux. Mmh. Tous les maires des communes, les 425 communes, sont sur le pied de guerre, si je puis dire, sont mobilisés. Et tous ces centres de vaccination que l'on voit pousser dans chacune des communes, pas les petites communes naturellement, mais il y a un maillage territorial qui s'est bien installé grâce aux maires des communes qui ont voulu participer à ce combat, parce que c'est un combat, hein, c'est le président. C'est la seule chose, je pense, qui nous sortira de cette voilà. pandémie. Mais alors le problème, vous le savez, malheureusement, c'est que les doses de vaccins manquent. On est en cours de on est en cours de vaccination, mais on n'a pas les vaccins. Quoi. Donc, c'est ça. On est prêt à les recevoir en tous les cas. C'est désagréable. Mais tout le monde est prêt, bien sûr. Les centres de vaccination sont prêts. Et tout le monde est mobilisé. Les élus sont mobilisés. Ça, il faut souligner le gros travail des élus. On attend les vaccins. Très bien. Et justement, sur cette partie, pour en finir avec la partie Covid, parce que voilà, on est en plein dedans, c'est délicat de ne pas pouvoir, de ne pas poser de questions sur cette période-là, même si on va parler aussi de la culture, mais aujourd'hui, alors c'est compliqué de parler de la culture, mais sur le plan économique, dans le département de l'Yonne, le département, que fait-il sur le plan économique? On sait qu'on a des restaurants qui sont fermés, on sait qu'on a évidemment des discothèques, le monde événementiel, tout ça c'est fermé. Le département, lui, voilà, comment il travaille avec justement cette période compliquée pour les restaurateurs en l'occurrence? Alors, je voulais expliquer, donc ce n'est pas dans nos compétences, la compétence économique, c'est la région. Et ce sont les communautés de communes qui ont cette compétence. D'accord. Mais malgré tout, nous intervenons... Sur le plan de la solidarité, je pense, oui. Sur le plan de la solidarité, hein, on en a parlé tout à l'heure, hein, voilà, le RSA, c'est la solidarité, ça, hein, qui s'exprime. Et puis, sur un plan culturel, alors naturellement, moi je déplore, hein, ce qui se passe au niveau de la culture, quoi, c'est dramatique. Mais nous aidons les associations, hein, contrairement à ce qu'on a pu entendre parfois... toutes les associations continuent d'être aidées par le département. Ça, c'est une volonté que mes collègues et moi avons. C'est important de le préciser. Et je veux absolument que les choses soient dites, que ce soit clair, notamment toutes ces associations culturelles, sportives, qui emploient du personnel, eh bien, le département les aide, hein, il y a une aide à l'investissement. L'enveloppe globale, c'est 2,5 millions quand même, hein, ce qui est quand même important pour un département comme le nôtre. Et donc, nous continuons d'aider les associations. Il y a eu quelques petites associations, hein, qui n'ont pas vu leur manifestation se dérouler, et donc soit qui n'ont pas déposé le dossier ou qui n'ont pas réclamé la subvention. C'est un volume de 20 000 euros à peu près. Vous voyez, sur les 2 millions 3 qui sont consacrés, c'est 20 000 euros seulement qui n'ont pas été versés à des manifestations qui n'ont pas eu lieu. Mais avec un engagement de ma part, que lorsqu'elles pourront organiser à nouveau leur manifestation, on sera là, on sera présent et on les aidera. Voilà, aussi importante que d'habitude. Absolument. Mais ça, je tiens à le dire. Vous avez raison de le préciser. Et si nos amis de la culture nous écoutent,
Voilà, vous avez les réponses, vous serez aidé, évidemment, dès qu'on pourra justement réouvrir tous ces lieux culturels. Des concerts tests, des festivals tests, est-ce qu'on va avoir ça dans Lyon? Est-ce que c'est, voilà, pas forcément la compétence du département, mais est-ce que vous avez écho de cela ici? Ben, j'espère, ouais. J'espère que les manifestations, les concerts, j'adore personnellement les concerts. Quand on peut y aller toutes les semaines, le samedi, le dimanche, c'est un plaisir. Avec mon épouse, on aime aller fréquenter tous ces concerts et on a une richesse énorme dans ce département. Et vraiment, moi, je suis triste, vraiment, de voir que malheureusement, toutes ces manifestations ne peuvent pas avoir lieu. Mais je pense qu'elles vont... Ça va repartir. Ça va repartir. Ça va repartir, oui, oui, oui. Avec la vaccination, on va avoir les vaccins et je suis persuadé que, voilà, la vie va reprendre son cours normal. Merci en tous les cas à vous, Monsieur le Président, d'avoir été clair, en tous les cas, et sur vos réponses qui étaient très courtes et très claires. J'espère que vous avez mieux compris à quoi servait le département. Ce qui serait pas mal de temps en temps, c'est peut-être faire un focus sur vos projets, les projets que déploie le département dans Lyon, justement. Ça pourrait être intéressant d'avoir des petits face-à-face comme ça, de temps en temps dans l'année, pour savoir, voilà, où, quand on sera sorti évidemment de cette pandémie. Et je ne peux m'empêcher de vous poser cette dernière question, Monsieur le Président, bientôt les élections, évidemment. Est-ce que vous allez vous représenter en tant que président du département? Alors, je vais me représenter dans mon canton, mon beau canton de Chablis, que j'aime énormément. Vous êtes l'ancien maire d'ailleurs, absolument. Oui, pendant quelques années, j'ai été maire de Chablis et je reste ancré à Chablis, naturellement, qui est une des pépites du département de Lyon. Mais ce n'est pas un secret, effectivement, je me représente à cette élection. Et ensuite, il y aura la deuxième étape, je me présenterai à ma succession. Mais ça, ce sont mes collègues qui le diront. Bien sûr. Voilà, il y aura un vote, naturellement. Très bien. Mais je suis candidat à ma succession. Mais vous êtes candidat, très bien. Bah, merci d'avoir répondu honnêtement et franchement à toutes ces questions et d'avoir été direct. Ça fait du bien. Merci à vous. J'espère que voilà, vous avez découvert pour certains notre président du département et puis surtout à quoi sert un département. Bah, là maintenant, on le sait beaucoup mieux. Merci, Monsieur le Président, et à très bientôt. Merci à vous. Merci beaucoup.